Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl. C'est le début de la Super Crook Bowl 7 et on rejoue les nanas jaunes. On va affronter pour ce match une équipe de haut elf qui risque d'être un petit peu badass. Hein. 1700 de TV, on a pas mal de blocs, on a 3 tacles, ça peut être la violence. Du coup, on a du cash par contre. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Normalement, on a déjà 3 relances, c'est pas mal. Peut-être un petit sorcier, ça peut faire mal sur les elfes, un petit sorcier. Une relance de plus et une serveuse, ça me paraît pas mal. Après pour 300 on pourrait prendre un chef cuistot sinon. Ah mais de toute façon il a les compétences pour pas beaucoup utiliser ses relances donc je pense que même si je lui pique ça sera pas critique pour lui. Bon bah on a une équipe de nana jaune pas au top de sa forme avec les blessures de la dernière saison, mais on a toujours Prestor Janet qui est là. Ça c'est beau, en plus on joue à domicile pour notre premier match. Et on est en division 1, puisque nos résultats de la saison dernière ont suffisamment fait d'étincelles pour que comme Krug classe maintenant par à peu près niveau de coach, et ben on se retrouve en division 1. Donc on va voir comment on survit à ça. On va se placer en défense. Alors on va peut-être mettre, on va afficher les compétences déjà pour voir un peu à quoi ça ressemble. Nos trois quarts tout frais. On va pas mettre Prestor Janet directement en première ligne. Hein. Donc en face c'est des elfes. On va mettre les glissades contrôlées sur les côtés. On va garder le tacle à l'arrière. Prestor Janet, tu vas peut-être quand même aller devant. T'es quand même là pour encaisser, hein, plutôt que second de l'XP. Notre botteuse, il faut qu'elle soit dans la zone de bottage, sinon ça sert à rien. Voilà. On va faire un truc anti-elf relativement standard pour commencer. On l'a encore jamais affronté, Nuru. Il me semblait avoir affronté son équipe déjà une fois, mais j'ai regardé dans l'historique de ses matchs et on l'a jamais affronté, en tout cas avec ses hauts elfes. Donc du coup, on va voir un peu comment ça se passe. Il est quand même assez badass, hein, pas mal de gardes. Ça a quand même 8 d'armure, hein, les hauts elfes. Beaucoup de blocs, des tacles pour nous faire mal. Les trucs un peu bizarres. Et oui, c'est là. Il a mis une châtaigne sur un receveur. Alors j'imagine qu'il a dû faire un double, enfin tirer une force et il voulait le rendre un peu plus versatile, mais c'est assez particulier. Et son autre receveur aussi, je crois que c'est lui, voilà. Lui c'est un blodgeur aussi. Qu'on est. Ça va être compliqué. Hein. Nous pour le coup on a toujours qu'un seul tacle. Donc il va falloir qu'il fasse le taf. Alors, on va essayer de botter. Plutôt du côté où on a la force. On a Chobiti qui a eu son 4 de force, hein, je rappelle, en fin de saison. Ah, une défense parfaite. Ouais. Est-ce que c'est bien utile? Je ne sais pas, parce que du coup j'ai pas très très envie de faire un trou non plus de fou. Alors après je pourrais blinder un peu. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, franchement non, c'est vraiment pas utile. On va rester comme ça. En plus
Là, il va taper en diagonale, mais il va me repousser ici. Il s'est pas trop placé pour faire des extra blocs, donc on va le laisser taper comme ça. Ça ne me dérange pas outre mesure. Et comme ils ont beaucoup de mouvements, j'aurais pu m'avancer, hein, avancer ma défense en double rideau. Mais comme ils ont beaucoup de mouvements, je préfère rester un peu derrière quand même. Alors, Prester Janet qui prend le premier bloc de la saison et qui résiste. Fidèle à sa réputation. Ah, ici par contre, un pot. Ok, l'armure qui tient. Il poursuit pas, hein, donc il a pas l'air de vouloir jouer physique. Pourtant, il a des compétences pour. Ici, le bloc qui fait le taf. Ah, il va quand même tenter un blitz là. Ouais, mettre lui juste en support, c'est pas déconnant, blitz avec sa garde. Elle a pas bloc la garde, donc attention. Ah non, il préfère blitz avec le tacle, ouais. C'est pas con, effectivement, et ça passe. Aïe! Un chaos sur Prester Janet 2. Bon, bah, très bien. Première sortie. Alors, il recule. Donc là, il a moyen d'infiltrer des gens au milieu. On va voir comment il joue. Est-ce qu'il joue agressif? Est-ce qu'il voudra marquer vite? Je ne sais pas. Bon, il fait en sorte que ses mecs soient pas trop isolés. Non, il met sa garde là. Très bien. Ah, il hésite. D'ailleurs, je dis il, hein, mais c'est peut-être elle. Hein, je ne sais pas. Excuse-moi si tu me regardes, Nourou, et que tu es une femme. Je m'excuse d'avance pour tous les heals que je risque de dire pendant cette partie. Alors, une petite cage aérée, ok. Ok, vraiment très aérée. Ouais, en même temps, hein, avec 6 de mouvement, je vais pas faire des miracles non plus. Ouais, c'est pas mal ça. C'est plutôt propre. La balle est plutôt protégée. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc là, on a une garde. On n'a pas de bloc facile ici. Il a calé un 3 quarts. Où sont ses receveurs? Il y a un receveur ici. Et l'autre qui est là. Notre tacle. J'ai bien envie de tenter un blitz à deux départs là. Allô? Ah merde, petit lag. C'est le petit lag. Je sais pas si c'est moi ou pas. Merde, on a été déco. Bon bah du coup je vais couper. Hop là, on est de retour. Donc du coup, on a raté notre bloc. Enfin, on a fait un repoussé. On va donc juste se contenter de repousser et se replacer comme ça. Il a du coup il sera obligé de blitzer s'il veut passer au centre. Pour l'instant, on va rester défensif. Ça reste des elfes en face. On va pas tenter des trucs de fifou parce qu'ils peuvent se faufiler assez facilement. Ok, ici ça repousse. Parfait. Je vérifie que du coup l'enregistrement s'est bien lancé. Hop là, c'est bon. Encore une déco? Non, c'est bon. Wow, dis donc, ma connexion a l'air un peu en PLS ce soir, c'est chiant ça. Ah la vache, Damni 3 là, qui en est à sa troisième vie, mais qui résiste bien. Trois blocs, elle est pas tombée. C'est un peu la douleur. Et du coup, là, ça sera un dé, sauf s'il amène du renfort. C'est un peu abusé quand même. Les compétences ont sauté, du coup, avec tout ce bordel. Ici, ça tombe toujours pas. Ah si, il y a un bloc. Ouh là là, Ravolution qui prend une blessure. Une commotion, on accepte, on peut accepter une commotion, c'est bon. Bon, ici on va peut-être pouvoir se prendre un bloc du coup.
Clairement, pour l'instant, il nous laisse un minimum de blocs, hein. Donc, on peut faire un blitz par tour, c'est tout. Ok, ça y est, il prépare une infiltration. On va pouvoir peut-être y aller un peu plus bourrin. Ah oui, merde, du coup, il avait 2 dés ici. Oui, puisqu'il m'a dégagé ici. Dommage. Bon, bah, un pot. Damni qui finit par tomber et qui prend. Une sonnette visiblement. Ok. Alors est-ce qu'il va essayer d'avancer une cage jusqu'ici? Ça me paraît peut-être un petit peu prématuré. Jongleur de tête ici, quel est le lanceur? Ah, c'est un lanceur? Ah, c'est un 3 quarts qui a ramassé. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a. Il a 5 d'AG, donc ça se justifie de ramasser avec lui quand même. Ok, donc là il commence à infiltrer quelqu'un. Faut pas oublier que tous les elfes peuvent jouer la balle, hein, donc lui peut complètement jouer l'infiltration et tenter de passer, hein. Donc avec elle, on pourrait blitzer par exemple par là. Donc déjà, on va foutre Prester Janet en face ici. Là, on va tenter de se débarrasser d'une garde. Un pot parfait. Alors on va pas poursuivre, hein. Ok, ça ne donne rien. On va revenir par là, donc pour l'instant Papillote va tenir la ligne toute seule. Et bah on n'a pas grand chose d'autre à faire malheureusement, hein. Là je mets un. Alors est-ce qu'il va pouvoir amener du renfort facilement ici? Je vais me décaler d'une case ici pour qu'il puisse pas bloquer trop facilement avec 2 dés vu qu'il y a le cadavre de Damny qui empêche d'amener trop de personnes. On va faire ça comme ça. Ça reste une défense assez lente, hein, pour l'instant. Ce serait intéressant qu'il avance un peu son mec avec sa balle, on pourrait balancer une boule de feu dans le tas. Là, il a senti la faiblesse, là, je pense. Il a raison, il y en a une. Enfin, faiblesse relative, hein, parce qu'on a notre garde, notre quête de force qui sont là, qui peuvent revenir assez vite. Ok, Papillote qui tient. Et il me repousse là. Est-ce qu'il veut essayer de passer? Il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais il peut venir se placer ici et infiltrer un peu derrière. Non, il recule. Ok, il recule. Très très bien. Alors ça c'est un receveur par contre, hein. Putain le mouvement de ces trucs quoi. C'est la violence. On tacle très loin en plus, ça c'est un peu. Il va être temps de le ramener je pense. Ici est-ce qu'il place sa garde pour faire quelque chose? Pas trop hein. Ok, pourquoi pas. Tu fais quoi avec ta balle? Tu l'avances, tu la laisses là? Mais là, 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 que je balance une petite boule de feu dans le tas. Il fait une dent de scie. C'est intéressant, j'avais pas souvent vu ça. Oh non, il essaie de s'infiltrer, d'accord. Avec son 3 quarts. Ah, l'esquive qui rate. Allez, un double 1, ça peut passer. Non. Alors, si tu te mets là, il y a une faiblesse, hein. Je peux faire tomber lui assez facilement et me coller.
1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est un peu tendu, avec pas se coller avec une glissade contrôlée, mais il y a quand même moyen de faire des trucs. Et là, du coup, il recule, ok. Ouh, tu recules un peu trop là. Ah non, d'accord, il se place là. Toi, tu couvres. Tu couvres ici, toi tu couvres ici. Donc ouais, non, j'ai pas vraiment de moyen de me faufiler facilement. J'ai pas vraiment de bloc non plus de prix, ça c'est un peu relou. Alors, on va commencer à être un peu plus agressif, puisqu'il faut. Non, non, là j'ai une esquive si je fais ça. Toi, tu vas aller là. Ici, on va faire un petit blitz. Ici, on va essayer de foutre un petit peu la merde sur ces mecs sans compétences. Bon, ils peuvent toujours esquiver relativement simplement. Donc là, on a notre blitz à 2D. Toi, j'apprécierais que tu viennes par ici. Mettre quelques malus à une éventuelle réception. Alors là, avec le 4 de force, ce serait quand même intéressant d'aller mettre un peu le dawa. Allez, tacle le châtaigne, il y a moyen de faire mal. Ok. Poursuit. Là, petit passage d'armure, et c'est une sonnette. Ok. On va se recentrer par ici, histoire d'avoir du mouvement pour aller par là ou par là. Et ici, on va reculer d'une case. Quoi qu'il peut facilement mettre de la force là. Ouais, on va rester là quand même. Elle a esquive, glissade contrôlée, parade. Il y a moyen qu'elle reste un petit moment. Alors, le blitz direct en premier mouvement. Ok, très bien, ça passe avec le tacle. Donc là, je les ai engagés, hein. Il est temps de lui mettre un peu de pression pour qu'il fasse des actions et qu'il lance des dés. Après, c'est le problème des elfes, hein. Ils sont très durs à empêcher de s'infiltrer. Une fois qu'ils sont infiltrés, là, il peut blitzer, aller se mettre sur la zone d'embûte et puis avancer avec lui, genre jusque-là ou quelque part, même jusqu'ici, tenter une passe longue. Ça sera pas des jets de fou, hein. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Ici, un peu de renfort, il va pouvoir taper sur Chobiti. Ouais, il va pouvoir taper avec un tacle, ça me fait chier, mais bon. Ok, l'esquive. Du coup, il reste engagé. Même si ça. Oui, puis de toute façon, il a pas blitzé. Non, je suis con, il a déjà blitzé. Il peut pas se dégager si facilement que ça. Ah, le pot, bordel! On va partir par là. Merde! Oh, je suis au petit cacao. Oh, ça pique ça. Chier. Il y a 7 d'armure qui méritent leur titre hein, sur ce coup-là. Après, on a toujours cramé qu'aucune relance depuis le début du match. C'est assez original.
Ouh. Ce qui va de plus qui rate. Une relance qui va tomber. Ok. Ça passe. Donc il va pouvoir se prendre un nouveau bloc. Un petit double 1 là, ça serait cool. Oh ouais, non, ok, j'en demandais pas tant. Bon. Alors, cela dit, on n'est pas non plus bien. Hein. On a perdu notre quête de force, on commence à être un peu en sous-nombre. Ici, c'est beaucoup trop loin. À se coller au tacle, ça fait un peu chier, mais faut les occuper quoi. Là, j'ai moyen de blitzer là, mais c'est avec un GFI. Là, pareil, un GFI, donc je préfère encore bloquer avec, avec ça. Allez, c'est parti, on tente. Oh putain! Ok, quand même. Poursuis. Ah, une petite blessure. Ça fait plaisir. En plus, c'est un mec qui est quand même assez cher. Apothicaire. Et il rejoint les remplaçants. Ok. Alors, oui, passer. Et du coup, on va tenter la mise de paquet. Voilà. Alors là, ouais, putain, encore des mises de paquet à tenter. Si on veut aller jusque-là, c'est un peu chaud. On va tenter de neutraliser un peu ce pack en mettant du nombre. Hop, alors on est obligé de se coller au tacle, hein, d'autant que lui il a une garde, donc on va essayer de pas se coller à lui par contre. Forcer à faire des gestes s'ils veulent bouger. Faudrait que j'avance elle ici. Bon, c'est pas ouf hein, comme protection, mais... Attends, on va venir te mettre là. Alors toi, du coup, niveau bloc, c'est mort, hein, on est d'accord. Ouais, on a que des dés rouges partout. Allez, c'est parti. Il a pas encore marqué. Ah, le pot. L'employé du mois qui fait un pot. Et du coup, il perd son bloc sur celui-là. Oh là là! Putain, l'intérêt à faire son taf, la serveuse, hein, parce que. Ça va devenir compliqué là. La défense en première partie avec les Amazones, c'est toujours aussi dur. Hein. Un peu obligé de subir, c'est difficile d'empêcher l'adversaire de faire vraiment des 2D partout. D'autant que là, avec ses gardes, c'est encore pire. Alors, visiblement, il prend le parti de neutraliser ça. Peut-être qu'il veut tenter une passe. Enfin, après, il a juste à tenter une esquive là, vous me direz. Hein. Ok, le bloc qui fait le taf. Il n'a pas voulu le relancer. Je préfère garder ça pour une autre action. Ce qui sous-entend qu'il va probablement tenter une passe. C'est un receveur ce truc là? Ouais, ça c'est un receveur ça. Alors, bloc là, ok, pourquoi pas, pour débloquer la garde peut-être. Ça repousse, j'imagine qu'il va m'envoyer par là-bas. Non, quoique non, je suis con, s'il veut débloquer la garde, ouais, qu'il m'envoie par là. Un petit paquet, c'est risqué hein. Ok, il recule. La garde qui vient prendre un 2D là. On sent qu'il a envie d'esquiver avec sa balle. Hein. C'est pour ça qu'il garde le. Qu'il garde sa relance. Là ça fait un pot bien sûr. High fingers. Ok, il poursuit pas. On va pouvoir aller placer une garde. Quelque part, si... Ah bordel. Ah, donc là, il va marquer, je pense. Pff, même pas besoin de relance, quoi.
Oh là là, mais ces mouvements. Ok, bah, au moins on lui a mis la pression, il a été obligé de marquer, ça nous laisse quelques tours pour égaliser. Et ça c'est cool. Un seul KO qui revient. Oh, c'est qui est revenu? On n'a pas notre lanceuse quoi. Oh là, la plaie. La plaie, la plaie, la plaie. Tu te mets comme ça, non? Je me suis tâté à utiliser mon éclair là, mais j'ai envie de l'utiliser dans un moment où soit il va faire un massacre avec une boule de feu, soit j'aurais possibilité de ramasser la balle quoi. Et là j'avais aucun moyen de ramasser la balle, elle tombait, il a ramassé, il se rebarrait pareil, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait du coup. J'aurais peut-être dû. On va voir. Bon bah papillote, t'es vraiment relou hein. J'avais besoin de toi, c'était sur cette phase là quoi. Faut absolument qu'on ramasse la balle et qu'on passe pas 100 ans à perdre du temps. Ah intéressant, il s'est mis comme ça parce que ça va m'obliger à dépenser des joueuses pour mettre des dés. Et ma garde est neutralisée du coup. Intéressant comme stratégie. Bon, qui va ramasser? Allez, Damny. Ici, on essaiera de taper sur son 5 d'AG là avec le 4 de force tout seul. Allez, c'est parti. Une surprise. Ah mais c'est cool ça. Bon, pour l'instant on gagne les engagements, hein. Clairement on va pas s'en plaindre. Ici on va essayer de gagner une case même si ça nous sert pas à grand chose. Ici aussi. Ok, alors commençons par ça. Ok, on a bloc, c'est bon. Ouf, une petite blessure, ça fait plaisir. Une commotion, ok, au moins il sera pas emmerdé. Ici du coup on a un bloc, ici on a un bloc avec bloc et châtaigne. On va le prendre, un pot, le repousser vers l'intérieur et on poursuit. Ok. Ici pareil, un bloc, ça repousse. On va l'envoyer par là. On va rester par contre. Donc là on aura un bloc à faire. Dommage, ça repousse juste. On va l'envoyer par ici. On va rester. On va construire notre petit mur dans le coin. Je pense qu'on va balancer une boule de feu là. Dans ce gros tas là. Alors avant ça. Avant ça on va se placer ici. On a un bloc à 2 dés à prendre qui repousse et bien décidément. On va l'envoyer par là. On poursuit. Ici on va les mettre. Alors si je me mets là, il y a moyen de passer, donc on va aller se mettre là plutôt. Et on va tenter de ramasser la balle. Allez hop, Damny, on compte sur toi. Parfait, alors ils peuvent aller assez loin. Hein. On est sûr de la saloperie. Putain, lui, il peut déjà m'atteindre quasiment, quoi. Mais bon, faut qu'on avance, donc on va se mettre par là pour commencer. Ok, une blessure. Et c'est tout. Ouais, ben dis donc.
Bon, on a eu une blessure, et en plus, un moins 1 d'agilité sur un elfe, ça fait chier. Mais bon, j'aurais au moins aimé qu'il tombe. Tant pis, c'est pas grave. Il y avait un gros pack, c'est raté. Donc là, il va faire un trou pour essayer de faufiler son mec. Benico qui tient. Il se tâte à relancer, il relance, et ça repousse de nouveau. Ok, parfait. Alors avec la glissade contrôlée, on va aller en ligne droite. Voilà, comme ça on bloque toujours bien le chemin avec les copines autour. Du coup, on est libre hein, ici. C'est quoi qu'on a sorti au fait? C'est son receveur, hein, son receveur avec beaucoup de niveaux. Ah, une esquive qui rate. Et vu qu'il a craqué sa relance, c'est un turnover. Pfff, il fait chaud. Alors, on peut courir jusqu'ici, faire une transmission là. Et ensuite avancer. On n'est pas non plus ultra pressé, hein, il nous reste 3 tours. On peut aller foutre une garde là pour foutre la merde. Là, j'ai bien envie de blitzer celui-là. Là, la petite glissade contrôlée pour protéger la balle. Ici, on va essayer de taper là. Avec Prester Janet. On va pas faire d'autres actions tendues, donc on va tenter de relancer. Ok, ça rate. Du coup, on va la repousser dans la garde et on va poursuivre pour neutraliser un peu le bordel. Alors là, du coup, on a qu'un dé malheureusement. Et ça, c'est un peu triste. On peut blitzer par là, mais ça fait quand même sacrément un trou dans la défense si je fais ça. Du coup, je pense qu'on va plutôt. Alors là, il y a cette garde qui est libre là, hein, qui pourrait infiltrer un peu partout. Donc on va tenter plutôt un truc comme ça. Voilà, alors ici c'est fragile, ça me plaît pas trop, mais je vais me rapprocher quand même d'une case ici. Ça fait quand même un grand tour par là, même pour un antisocial. Et du coup ici on va essayer de le regrouper. Alors c'est tendu, c'est 2D, on a plus de relance et ça pousse. Parfait. On reste. Hop, voilà. Et on va aller se mettre dans le dos de ces braves gens. Voilà. Histoire de leur donner un peu moins envie de faire le tour. On va essayer un boulevard là, c'est pas grave. Allez, c'est pas si mal. C'est un peu fragile, mais c'est pas si mal. Lui est loin, mais avec ses 8 de mouvement, il n'aura aucun souci pour revenir. J'aurais peut-être dû coller Chobiti, hein. Ça l'aurait forcé à mettre du monde. La commit du monde pour la faire tomber. Ici ça repousse. Est-ce qu'il tente de relancer de nouveau? Non. Ok. Ça repousse par là. Donc il va peut-être essayer de faire un mur par ici. Et voilà. Il va faire une défense en double rideau par là. Il va falloir qu'il commit du monde pour bloquer celles qui sont déjà infiltrées.
Tout va jouer s'il décide de taper là et que ça passe ou si ça rate. Voilà, par exemple comme ça. Ça c'est cool, ça fait déjà deux joueurs qui n'auront pas à défendre. Eh ouais, hein, elle fait chier celle-là, mine de rien, on dirait pas, mais. Même avec 8 de mouvement, t'as des limites. Ok, ici il tente l'esquive du coup. Parfait. Là c'est faible par là pour l'instant. Il va tenter de mettre quelqu'un. Ok. Et tout le monde a bougé. Parfait. Alors du coup. Quelles sont nos possibilités? On a moyen de courir pour faire une transmission à celle-là si on veut. Pourquoi pas, ma tourse. Bon, je pourrais faire ça, mais c'est pas dingue. Ah, il va falloir qu'on commit des gens, je pense. Donc là, déjà, le problème, c'est qu'avec ce cadavre-là, notre seule possibilité de blitzer, c'est par là, et il faut donc du renfort par ici. C'est parti. Toi, tu vas là. Toi, j'ai bien envie de dire que tu vas aller. Faut... Ah, mais putain, c'est chaud parce que le chemin est bien bloqué quand même avec ces cons là. Faudrait qu'ici on arrive à l'éloigner. Ok, faisons ça. Ici on blitz. Ah putain, c'est pas ouf ça. J'aurais préféré qu'il dégage, hein, tant pis. Ici du coup on a un dé. On peut neutraliser lui. Ce qui nous fait 2 dés qui sont pourris parce que ça l'envoie directement sur notre dame qui était toute seule. Là du coup on a une esquive à faire si on veut faire ça, en plus ici c'est merdique. Du coup il va falloir commit des gens parce que c'est de la merde ce move. Une passe ici. Ouais, si je veux m'avancer du coup c'est mort. Là, ces deux cadavres là ils gênent bien le chemin. Tant pis, ici on va taper. On n'a pas bloc. Hop. Il esquive bien sûr, mais au moins on est disponible. On va tenter une esquive, tant pis, on a relance, hein, ça reste du 3+, ça va. Allez, on tente. Oh, sans déconner! Le 5+, quoi. Pff. Ah, il a fait 5 quoi. Bon bah, c'est mort. Il suffit qu'il se casse, hein. Enfin, il suffit qu'il garde la balle là. Ah là là, et c'est chiant qu'on puisse pas relancer ça quoi. J'avais gardé la relance exprès pour cette action et le mec il arrive à faire une interception quoi. La tristesse absolue. Allez, le pot en relançant sur banana, boum. Attention banana. Du coup il a poursuivi, je sais pas pourquoi il a poursuivi. Ah si, parce qu'il veut partir après. Ah bah il va faire un trou, il va s'enfuir, il va relever là pour foutre de la zone de tac partout. D'ailleurs il aura dû relever avant je pense. Lui il faut qu'il se tire. Il ira pas marquer mais il suffit qu'il m'empêche de marquer. Hein. Ah c'est dommage, on avait une belle contre-attaque là. Ça s'est vraiment pas passé loin. Est-ce que la passe a été lancée? La réception? Non, la réception n'est pas lancée quand l'interception réussit, donc on ne saura pas si on aurait réussi cette réception. Bon. Ça va être chaud, hein. Il va falloir qu'on fasse un blitz à un dé.
Non, putain, on peut même pas. Faudrait que je blitz la balle pour la faire tomber. Je peux pas passer. Faudrait que je fasse des esquives de fifou. Non, là, c'est mort, hein. Peut-être là avec des GFI, mais il va se relever là, je pense. Il va pas oublier. Enfin, sauf s'il se dit qu'il veut éviter de se prendre des buffs gratuitement, hein. Ouais, bah voilà, il protège au maximum. Ah, c'est dommage là, ça c'est tellement dommage. Tellement, tellement dommage. Ouais, bah voilà, c'est foutu. Il s'est pas relevé pour pas se prendre de buff, mais là c'est complètement improbable quoi. Ah, fait chier. Et du coup, je peux taper sur lui. Non, mais qu'est-ce que tu fais toi? Reste debout. Voilà. On va le prendre, hein, ce bloc, hein, tant pis, ce sera toujours un bloc. Un pot, ok, ça te prie. Un petit KO. Bon, on a quand même réussi à y sortir 3 joueurs pour l'instant. On peut peut-être s'en faire un dernier, un tackler là. On va pas agresser, hein. On a déjà une personne en moins et 2 KO, on va pas s'amuser à ça. Hop! Ouais, je relance, c'est bon là. Fais-le tomber. Oh putain. Ok, bah c'est mort. Tant pis, contre-attaque annulée sur un 5+. Dis-moi que son KO revient pas. Ok, son KO revient pas. Ma serveuse qui fait mais de la merde! De la merde taille géant. Sur ce premier tour, on a gâché quasiment tout l'inducement. La serveuse a rien fait. Là, on n'a pas pu utiliser toutes nos relances et la boule de feu a fait un blessé. Qui valait pas 150, hein. Il valait sûrement cher là, le receveur là, mais pas 150. Hein. Je ne pense pas en tout cas. Donc c'est quand même la tristesse. Alors ici on tapera comme ça, ici on tapera comme ça. Il nous faudrait un bloc. Tiens toi, viens là. On va pas coller trop parce que ça sert à rien. J'ai pas envie de risquer de me prendre des baffes si il a une défense protégée, fin de défense là. Alors, on tape avec le tac sur lui. Là, on va taper là avec la garde. Donc, non, là, il me faut quand même quelqu'un de plus. Histoire d'avoir éventuellement un extra bloc. On tape là, ouais, ça devrait le faire. Allez, hop. On y croit. On a quand même réussi à plutôt bien l'écluser. Putain, il gagne une relance en plus. Bon bah. En même temps, il a beaucoup plus de popularité que nous. Ok, ça sent le pâté. Allez. On reste bien sûr avec la garde. Ici, on tape avec le tacle châtaigne sur cet enfoiré. Ça ne donne rien. On va l'envoyer par là. Hop, ici un petit bloc qui passe. Il n'y a pas d'esquive sur celui-là. On va poursuivre. Mettre un peu de pression. Ici on a une châtaigne, on va tenter. Il veut pas tomber ce con. Donc dernier bloc de Prester Janet. Le double crâne, ok, très très bien. Un pot! Bah pour la peine tu vas rester là. Oh la vache! C'était la violence. Bon, faut qu'on ramasse la balle. Pas le choix. Putain, putain, ces mouvements. Bon, du coup, on va rester dans le coin. Lui, on va essayer de le blitzer. Ici, on va essayer de se placer, je pense, par là. Toi, tu vas aller par ici. Allez, c'est parti. Un pot, c'est parfait. On l'envoie par là et on va poursuivre. On va essayer de commit un peu plus le 4 de force, parce qu'il faut là.
Même si elle va être un peu toute seule. Face à ces deux-là, il y a une garde. Blitz avec son tacle. Il ne blitzera pas ailleurs comme ça. Ah, et le pot. On va aller par là. Oh non. Une sonnette. Tristesse, tristesse quand tu nous tiens. Bon là avec 2 GFI il peut se coller à la balle, mais c'est quand même risqué. Hein. Je pense 2 GFI en courant. Ah quoique non, on doit pouvoir le faire dans ce sens-là. Bon, il s'infiltre. Normal, on va essayer de partir de l'autre côté sûrement du coup. Esquive. Esquive qui passe. Lui, il le relève ou pas l'employé du mois là? Lui, c'est vrai que s'il tient debout, il m'immobilise 4 joueurs quand même. Hein. Non, il préfère tenter une esquive. Ok. Cet enchaînement de coups de pied dans le vent. Bravo les filles, c'était magnifique. Ok, alors du coup, toi, tu peux aller là. Non, tu peux pas aller là parce qu'il y a trop de monde. Ici, on va ramener des gens un peu en défense quand même. On pourrait blitzer sa garde ici, ça serait clairement pas déconnant. Toi tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque là faire une transmission à quelqu'un. À qui? À Banana par exemple qui a un SPP du niveau supplémentaire. Mais bon c'est la tacleuse alors ça me fait un peu chier. Elle pourrait partir blitzer par là par exemple. On pourrait blitzer avec la balle, ça pourrait être drôle. Tiens on va tenter ça. Allez, une petite réception. Ça passe, parfait. J'aimerais bien mettre ma garde là, mais je ne peux pas pour l'instant. Du coup, toi, tu vas aller par ici, Manis. Toi, tu vas aller par là. Ici, on va blitzer comme des sacs. Parce qu'on aime bien faire des actions fun. Hop, on le repousse par là, pas de problème, ça ne me dérange pas. On reste. Toi tu peux aller jusqu'où toi, pas très loin. Hop. Voilà. Faire un truc comme ça par exemple. Pas du tout sécure hein, avec des elfes, mais bon, normalement il a quand même pas mal de zones de tac là, les esquives sont pas si simples que ça. Et eux, même avec tous leurs mouvements, ils sont loin. Il va leur falloir au moins 2 tours pour revenir, ce qui peut jouer. Donc là il a un 2D. Qui repousse, parfait. Donc il se libère une zone de tacle s'il veut esquiver en arrière avec son tacleur là. Une garde ça, hein. Bon, c'est un 3 quarts lambda. Ok, il va mettre un peu de monde.
Attention, au prochain tour, il y a Chobiti qui va se relever. Chobiti, elle tape fort quand elle se réveille. Elle a bien vu que je pouvais pas marquer ce tour-là, hein, donc... Il a le temps de ramener un peu de monde. Ça me ferait chier par contre, cette action. Oh putain. Oh, tu déconnes. Oh putain. Ah non, mais à un moment... Oh, puis le pot, quoi. Oh, quelle plaie. Oh bah oui, puis bah blesse là pendant que t'y es, tant qu'à faire. Pff, ouais bah non, c'est un apothicaire. Hein. Oh, sans déconner, ça par contre ça me fait chier. Hein. Les actions comme ça, putain, bon ok, c'est du... C'est des 2 plus à chaque fois, mais faut arrêter quoi. Enfin, c'est jet de dés là. Putain d'elfe quoi. Allez, rate ton esquive. Non. Oh, puis réussi ramassage. Ah, j'y crois pas, il va esquiver à 2+, refaire des mises de paquets et tout, c'est la fête. Pff, oh putain, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? Fumier d'elfe quoi. Bon, toi tu vas là. Alors on va la balle. Oh. Ah, c'est abusé quoi. Putain, j'y crois pas. Bon bah ici on va se relever de toute façon. Lui il faut qu'on le ventile. Hop, ici on va mettre une garde au milieu du Dawa. Bah toi, écoute, tu reviens comme tu peux, hein, Prester Janet, tu fais ce que tu peux de toute façon. C'est-à-dire pas grand-chose. Ici, il y a tellement de monde autour que même avec la garde, c'est mort de toute façon. Ah là là. Ouais, j'aurais peut-être pu tenter un GFI pour fermer un peu là, mais... Quand tu sens que le jeu, il a pas envie que tu réussisses des trucs... En général, faut pas tenter des machins fifous. Où sont ces gardes là? Il a une garde qui est là. Et l'autre, elle est sortie son autre garde? Ah, elle est sortie son autre garde. Allez, le pot. Ah non, même pas. Bon, allez, on va quand même tomber parce qu'on n'a pas de bloc, mais au moins c'est pas un pot. Une esquive, allez, tu peux rater une esquive quoi. Wolo. Ouais, ça te semble pas assez là, il y a des 3 plus, attention, ça déconne plus quoi. Ah la vache. On va t'intercepter avec elle, hein, des fois qu'on fasse un 6. Oh là là, mais quelle plaie! Quelle plaie, ces putains d'elfes! C'est impressionnant quoi. Oh, puis ce mouvement. C'est tellement abusé. C'est tellement abusé quoi. Le mec il fait des 5 partout, hein, ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors moi j'ai fait un 2. Il a fait un 2 sur un 2+. Il a pu relancer sa réception grâce à la compétence. Il a fait 2-3. Là il a fait un 6. Ouais, ok, c'est la fête du string. Ici il se passe pour m'empêcher de blitzer trop facilement. Bon, on va tout de suite tenter ce GFI parce que de toute façon il n'y a que ça à faire. Voilà.
Ensuite, on va quand même essayer de lui faire un peu mal si on peut. C'est-à-dire, on ne peut pas. Oh, j'ai oublié de me relever ici. Autant pour moi. Ouais. Ouais, vous y croyez vous? Moi j'y crois. Moi. Voilà. Il n'y a pas que les elfes qui peuvent faire des actions fifou. Bon, après, bien sûr, on fait des doubles clans, nous, hein, parce que sinon ça déconne pas, mais. Allez, on va l'envoyer par là. Hop. Bam. La balle ne tombe pas dans nos mains, bien sûr. Est-ce qu'on a des possibilités pour venir la ramasser? Il y aurait une possibilité là, éventuellement. Il faut qu'il tombe, le monsieur. Et il tombe. Ok, une petite sonnette. Alors, on va essayer de faire ça à peu près sécurisé quand même. Faudrait, lui, il faudrait qu'on le colle. Alors, 2 GFI pour le coller ou 2 GFI pour ramasser la balle. Ça me paraît globalement du même tonneau. Du coup, on va plutôt se pointer par là. On va essayer de neutraliser du coup celui-ci au maximum. Et puis là, hein. YOLO. Voilà, hop. C'est parti. Voilà, il va poser une garde ici, il va pouvoir blitzer à 2D facilement, mais bon, on pouvait pas tout faire. Hein. Bon là, c'était quand même abusé, hein. J'ai fait des 6 sur tous mes 2+. J'aurais pu utiliser des 2 sur ces actions. Alors, comment ça va se passer? Voilà, il va mettre sa garde là. Alors je sais pas s'il va tenter, ouais il a quand même bloc châtaigne hein, sur celui-là, il peut il est tout à fait à même de faire des blitz. Faut qu'on arrive à au moins égaliser quoi, hein, sérieux. Pas se faire battre par les elfes. Il a toujours utilisé aucune relance hein, depuis le début de la mi-temps. Ok, une esquive pour essayer de m'empêcher d'amener des renforts. Ça peut se valoir. Là le blitz à 2D qui va foirer. Oh non, le double pot. Pourquoi s'inquiéter franchement? Ah puis tant qu'à faire un petit KO. Ce sera dommage sinon. Allez, ça lui tombe dans les mains, il a même pas besoin d'aller la ramasser, non? Non quand même pas. Il se replierait? Oh allez, il faut arrêter là. Mais pourquoi il se met là? Il est hyper dangereux. Il a plus personne à bouger. Ouh, qu'est-ce qu'il fait? Non, il veut tenter d'être. Ok d'accord, ça me paraît On va échanger une esquive pour une mise de paquet, je sais pas si c'est bien utile, mais bon, admettons. Intéressant, intéressant, intéressant. Ça veut dire que du coup, faut qu'on mette quelqu'un ici. Comme ça là, on fait un trou. Un trou histoire de dire, hein. Hop. Donc là on a un blitz à 1D sur la balle, même pas, il y a une esquive, non, on a un blitz à 1D sur la balle, c'est un peu de la merde. Faudrait qu'on arrive à se dégager de celui-là, on va le virer. Oh putain, ça veut pas hein. Ok, donc là on a un blitz à 2D, non, à 2D rouge, c'est un peu de la merde. Je peux le blitzer dans, que dans ce sens-là du coup. Avec cette foutue garde là, je peux le blitzer dans ce sens là. Là c'est un dé, ouais. Bon bah tant pis, hein, go. Et je la garde éventuellement pour ramasser la balle si on peut. Putain, mais tu veux pas tomber? Fumier? Oh! Sérieux. Bon, on va l'isoler. Ce sera toujours ça de pris. On va lui foutre une garde derrière les fesses.
Mais là, tu parles faire une transmission là à 3 plus 2 plus et puis il va se tirer. Là par exemple, un éclair aurait été très intéressant. On avait complètement moyen de ramasser la balle et tout, ça aurait été une utilisation tactique de l'éclair. Mais bon. Et lui a toujours utilisé aucune relance. Alors, il fait de la place. Ok, lui il fait des pots, pas de problème. Pas de stress. Il fait ça propre, hein. Il blitz avec son tacle, mais non, non, il n'y a pas besoin, il fait des pots de toute façon. Un petit peu de sel sur ce match tout de même. Ok, cette fois ça pousse. Oh, j'étais vraiment persuadé qu'il allait tenter une transmission totalement loufoque là. Mais non, il va préférer se barrer de manière totalement loufoque. Pourquoi pas? Enfin, loufoque, c'est un de plus, hein. C'est pas ultra loufoque. Hein. Mais ok, j'acquiesce. Oh, mais ce mouvement de taré quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi? L'autre il traverse le terrain en un tour quoi. Ah, il a raté une esquive, attention. Ah, il réussit la deuxième. À côté, j'ai l'impression de me traîner lamentablement, c'est ouf. Bon, on va la perdre, très clairement. On va la perdre parce que là, il n'y a aucun moyen que je le rattrape, il va se toller s'il a envie, donc. On va la perdre. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on tape, du coup. En plus, il se permet des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment super triste. Enfin, il se permet. Ça reste des jets faciles, hein. C'est que des jets faciles avec les elfes. C'est ça qui est insupportable, quoi. 4 plus, 4 plus, 3 plus, une mise de paquet, 1 dé, sans tacle. Il a esquive ce truc? Ouais, il a esquive. Bien sûr qu'il a esquive. Et il a toujours utilisé aucune de ses relances. Allez, là on va taper pour le plaisir de taper. Voilà, hop, un pot. Allez, dégage. Puisque de toute façon, on ne peut rien faire d'autre. On va tenter de faire du dégât. Ok, non. Que je peux aller coller lui avec une mise de paquet, je peux, on va tenter. Ok, ça passe. Ouais, toi t'es calé là. Ouais, on va envoyer quelqu'un, un Prester Janet par là, juste histoire de mettre la pression des fois qu'il a envie de stoller parce que j'ai pas envie que ce match s'éternise plus qu'il n'est nécessaire. On va faire des trucs YOLO, j'ai envie de dire. Allez, hop, on va le coincer là pour le plaisir de le coincer là. Bon, il va ramener un renfort, blitzer, se tirer, hein. Pas de soucis, il a complètement le mouvement qu'il veut. Il peut même blitzer avec lui, ouais. C'est vrai que lui il la bloque aussi. Ça passe, toujours pas utilisé de relance. Et puis tant qu'à faire, il me sonnait. Mais bon, au moins on lui a mis la pression, il va vouloir marquer, je pense. Enfin, la pression. On s'entend, hein. Il a largement de quoi grider. Et il a tapé avec son tacle. Voilà, ça passe. Un petit chaos, ok. La prochaine fois, je prends 5 serveuses, hein. Il n'y a vraiment que ça qui sert, quoi. Hop, encore un petit bloc. Oh, oh, je ne tombe pas, attention! Je peux même me rattraper de la balle, me rapprocher, pardon, de la balle. Ça déconne plus.
Et il marque. Il va pas stall. Alors c'est deux tours de toute façon. Alors, est-ce que notre serveuse va faire quelque chose? Oh là là, dis donc. C'est sur du 2 plus 1 là que je me relève hein, quand même. Alors, paf, pif, pouf. Bah en deux tours, on marquera pas. Hein. Oh, on a récupéré Papillote, dis donc. En deux tours, on marquera pas, donc on va essayer de faire mal. Hop, là on tape, là on tape, là on tape. On blitz lui, parce que pourquoi pas. On essaie d'infiltrer 2-3 mecs, enfin 2-3 filles. On rate tous nos jets, on fait un double jet, un double 1, je pense, direct. Oh là là. Putain. C'est un truc de fou. Bon bah du coup c'est mort quoi. Je peux plus avoir de dés. Ah bordel. Putain. Ah mon dieu. Non putain je suis con en plus, je pouvais taper à 2 dés là. Ouais bah je suis plus concentré là hein, clairement. Je fais n'importe quoi, allez je poursuis ici parce que j'ai envie de poursuivre, ici j'ai qu'un dé du coup donc on s'en fout. On va blitzer là, n'importe comment, on s'en fiche. Ce match était de toute façon un des ça, c'est ouf. Complètement débile, c'était n'importe quoi. Allez la balle est hyper loin, mais on a le mouvement pour la ramasser. Et on a failli se rater, magnifique. Bon bah faut qu'on mette quelqu'un en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, bon bah ok, faut quasiment que je fasse tous mes GFI de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, putain. Oh là là. J'y crois pas. Oh bon bah c'est mort. C'est la défaite. Bon, c'est la défaite, ça c'était sûr, mais on n'a même pas pu faire un putain de GFI pour avoir quelqu'un en position de marquer. Marquer, c'était pas fait, hein, parce qu'il allait foutre 20 mecs autour et il serait jamais passé, mais même pas la poser là, quoi. C'est quand même triste. Je crois que du coup, on a aucune montée de niveau. Même Banana qui était à 1 point d'XP, elle a pas réussi. Là non, là non, là non. Là que dalle. Et là que dalle, bon bah même pas un petit niveau pour se consoler. On aura fait deux blessures, puis tout le reste on a raté. Les passes, les touchdowns, les réceptions, on a tout raté quoi. On va juste espérer qu'il va nous tuer personne pendant ces derniers tours. Ouh dis donc, il a fait un double 1. Première relance utilisée, attention, ça déconne plus. Bon, c'est le genre de match qui te donne pas envie de jouer à Blood Bowl quoi. Et encore, mes blessures ça a été, hein, mais. J'aime pas subir comme ça quoi. A la limite, je préfère avoir des blessés et tout, parce que bon, ils ont 7 d'armure, voilà. Que juste à tout rater quoi. Enfin, regardez-moi ça, il a loupé une esquive de tout le match. Alors certes, c'est du 2+, il a loupé une esquive de tout le match. Et toutes ces passes, ces trucs, il récupère les balles, enfin. Ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut faire là? Un blitz là, allez hop. Un pot, un pot, un pot, un pot.
Allez, une petite blessure, ça fait plaisir. Voilà, parfait. Ça t'apprendra. On va te ramener là, histoire d'éviter que tu te prennes trop facilement des dés. Bon bah toi tu vas rester par terre, s'il a envie de m'écraser tour 16 il fera. Hop. Hop. Toi est-ce que tu tentes une passe? Pour le plaisir, allez. C'est parti. Et bah non, même ça on n'arrive pas, avec les compétences et tout. C'est pas possible. Eh ben fuck you, Blood Bowl. On va me faire un blitz à 2 dés là. C'est tout ce qu'il pourra faire. Ça passe. Ok, l'armure a tenu, toujours ça. Bon, il va ramasser, faire une passe peut-être, histoire de se faire lui aussi une petite passe à XP. Hein. Ce serait con de pas en profiter. Surtout avec toutes ces relances. Utiliser une relance tour 16 pour la passe à XP quoi. C'est chaud quand même. Hein. C'est là que tu sens que ton match il a été facile. Hein. Oh la vache. Bon bah bien joué Nourou, hein, les dés t'ont bien servi, mais bon bah t'as quand même pas fait beaucoup d'erreurs donc je peux pas dire le contraire, c'est bien passé. Bon, regardez un peu les stats par curiosité, on fait un 1 parce que voilà, ça c'était habituel. Hein. Ça m'étonne pas vraiment, c'est Grendon qui gagne le MVP, pourquoi pas. Alors, esquive, on est largement dans les trucs, les mises de paquets c'est correct, les ramassages c'est correct. Les armures, bon bah, avec du set d'armure, voilà quoi. Les réveils de chaos, c'est un scandale, franchement, avec une serveuse, quoi. Ça, ça nous a foutu dans la merde. Ça, ça nous a vraiment foutu dans la merde. Bon, les interceptions, les passes, on va pas en parler. Au niveau des dés, on a quand même fait pas mal de 6 et de 5. Alors, pas oublier que ça, ça coûte les jets d'armure aussi. Hein. Donc, enfin, les jets de blessure. Donc, c'est pas forcément une réussite. Hein. De son côté... De son côté, les armures, ok, les blessures, ouais, ok, s'en fout. Les esquives, bon, bah, les esquives, ça s'est bien placé, hein. 30 esquives quand même, hein. Enfin, 35, dont 30 réussis. Les ramassages, ok, dans les normes, les réceptions, pareil. Bon, bah, la boule de feu, je sais pas ce que ça fout là. Réveil de chaos, ça, c'était pas si mal. Alors, les blocs, c'est à convertir, je pense. Ah, il a fait beaucoup de crânes, mine de rien. Bon, il a fait beaucoup de blocs aussi, hein. Pas mal de repoussés. Ça, il a fait beaucoup de réussites grâce à ses trucs. Ses tacles. Non, 20 crânes. 12 comme ça. Bon, c'est pas si mal, hein, à chaque fois, quand on voit à la fin, on se dit c'est plutôt bien équilibré. Sauf que voilà, nous, nos crânes, on les a fait quand il y avait 2 crânes, et puis bah lui non, quoi. Bref, un match qui ne restera pas dans les annales. J'espère quand même que ça vous aura plu de me voir souffrir, je sais que vous aimez ça. Et on se retrouve bah du coup très bientôt pour le deuxième match. Alors sachant que là, comme c'est l'été, c'est un rythme un peu plus cool. Hein. C'est 2-3 semaines pour faire les matchs, donc ça va pas forcément s'enchaîner. Mais on se retrouve dans tous les cas très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.